Si vous avez peur de ne plus vous souvenir de l'adresse du serveur, vous pouvez la mémoriser sur la session que vous utilisez sur votre ordinateur. Alors, pour cela, vous allez aller vous connecter au serveur. Vous rentrez l'adresse du serveur, par exemple 10.8.8.49.10. Et puis, vous pouvez simplement appuyer sur le plus ici. Ça va vous afficher ici l'adresse. Elle sera mémorisée. Si je l'efface ici également, je vais peut-être juste fermer ici. Je réessaye. Allez se connecter au serveur. Votre adresse ici est ici. Vous pouvez simplement faire un double clic pour l'afficher et la connexion s'établit automatiquement. Ça marche également avec l'adresse srv-ivo. Vous pouvez la mémoriser de cette manière-là. Je l'efface ici. Je ferme. On va essayer. Allez se connecter au serveur srv-ivo. Ça fonctionne. Attention toutefois. L'adresse srv-ivo ou alors pour POMI srv-pom ne fonctionne que sur les ordinateurs d'établissement. Si vous travaillez à partir de votre ordinateur personnel, il faudra indiquer l'adresse IP 10.8.8.49.10.